Maxime Emery qui a décidé de partir complètement à l'extérieur. Attention, le all shot, il sera pour Sylvain Gonnet. Il sera pour Dabert, le all shot. Ouais, Sylvain Gonnet, Lacour, Emery. Et ben là, il va y avoir du spectacle, les enfants. Tout le monde est passé. Ouais, Maxime Emery, 4e. Oh là là, derrière, c'est Gonnet, je crois, qui a failli partir à la faute. Et Maxime Emery qui attaque Gonnet, qui va pas passer. Allez, non, ça passe pas, ça se touche. Ah bah voilà. Voilà Maxime Emery par terre, qui avait porté une attaque sur Maxime Lacour. C'est pas la soirée. Maxime Lacour a résisté et Maxime Emery repart dernier. Allez, on va suivre la remontée du numéro 1, malheureusement, qui est tombé. Encore, il est tombé tout à l'heure aussi. Bon, il a pu remonter 4. Allez, toujours donc Maxime Lacour doit être 2. Oui, c'est lui, effectivement, avec les rayons. Non, Vivien Gonnet, pardon. Les rayons colorés, le 3e. Vivien Gonnet, 3e Lacour. Là, c'est le podium qui se joue. 4e, Étienne Parseillan, 5 Randy Perrosson, 6. Oh là là, ça s'accroche, Marc Germain. C'est Marc Germain, C'est chaud. Allez, premier tour, Sylvain Dabert en tête, Vivien Gonnet à 1 seconde 2, Maxime Lacour 3, Perseillan 4, Perrosson 5, Valla 6, Malice 7, Vincenot au 8e déjà, 8e, avec Colomban 9e, Vanchang 10, Desforges 11, Martinez 12, Emery 13, Minaudet 14, Brancy 15 et Germain 16e position. Ouais, super course d'Étienne Parseillan de Lens en Vercors, hein, c'est un pilote local, excellent 4e. Germain Vincenot encore une fois là qui était à la limite de la correctionnelle là. Ah ouais, génial. Ouais, Randy Perrosson 5 aussi. Attention, hein, là c'est le classement général. Hein. Et vous voulez de nouvelles de Sylvain Dabert? Ça va bien, merci. Ça il est devant, tranquille, peinard. Allez, on va suivre. Hein, si Vivien Gonnet remonte. Maxime Emery, il est 13e. Ah, mais ça va être compliqué. Vivien Gonnet qui a fait 3e tout à l'heure. Pour l'instant, Sylvain Dabert qui maîtrise parfaitement la situation. Le phare jaune du leader de cette AMD Cup. Et il est pire que le leader du Tour de France. Hein. Lui, il a tout en jaune. Hein. C'est... Dis donc. Allez, voilà, derrière Maxime Lacour. Maxime Lacour, 3e, derrière Vivien Gonnet, où il est passé? Non, il est... Ah, c'est bon, il est toujours là, Randy Perrosson, Étienne Perseillan. Oh, dis donc, Perrosson, génial, Perseillan, génial. Ah ouais, génial, génial. Superbe. Ils font des super courses, tous les deux, excellent. Et Maxime Emery, il est déjà là. Il est déjà là, donc il doit être vers la 8e place ou 7e peut-être. Incroyable. Ah, mais c'est Ah, ben, il vient de passer, voilà, il est 6. Ah, ben voilà, il est 6. Allez, Vivien Gonnet, toujours derrière Sylvain Dabert, mais un petit peu loin, il y a 2 secondes pratiquement entre les deux pilotes de tête. Voilà. C'est ça, 3 secondes. Même entre Dabert et Gonnet et Emery au freinage. Emery, il est là. Emery Sébastien au freinage. Il fait l'extérieur, Maxime Emery, dans ce moment. Ouais. Il fait l'extérieur. Allez, Sylvain Dabert, on a l'image toujours tranquille. Allez, super, et Vivien Gonnet propre. Le freinage de Gonnet derrière. Magnifique. Maxime, la course est plus loin là. Là, roule moins vite. Il a perdu du terrain, Maxime. Il est moins à l'aise, Maxime. Allez, on l'a vu tout à l'heure. Allez, Germain. Physiquement, il a du mal. Hop, Maxime Emery déjà 5, 6. 6e. 6e, Maxime Emery. 7e. Parti de très loin, il a chuté au premier tour. Attention pour Julien Colomban. Il est 11e, Julien Colomban. Très loin. Il a du mal, Julien Colomban, ce soir, sur ce circuit de Lens-en-Vercors. Par contre, un qui va bien, merci, c'est Sylvain Dabert. Lui, ça se passe pas trop mal. Ah non, Luc Severnat, numéro 37, une balade en tête. Sylvain, on l'a retrouvé là cette année. Incroyable. Et je crois que cette année, pour avoir une moto qui tracte bien sur la MV Cup, allez, Luc Severnat. Merci, papa. Ouais, merci. Fred, le préparateur. On va suivre la 3e place, il va y avoir de la bagarre. Hein. La course Perseillan. De... Si Perseillan. Perrosson, Perseillan. C'était bouillant, là, entre Perrosson et Perseillan. Allez, Perrosson, ça passe. Ouais, génial. Et Emery qui arrive. Allez, Emery, il est déjà là, Maxime. Il est sixième. Il roule en combien, Maxime? Écoute, pour l'instant, record du tour pour Sylvain Dabert. En ce qui concerne Maxime Emery, il est en 44-6. Ah, oui. Donc, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais record du tour pour l'instant. Bon, il n'y a pas le point supplémentaire, notamment en voiture. Mais il est pour Sylvain Dabert en 43-5. Ça tourne un petit peu moins vite que tout à l'heure. Oh, allez, la bagarre, là, Germain Vincenot et Maxime Emery, là c'est chaud. Hein. Ah oui, mais quand on voit le physique de Germain Vincenot par rapport à celui de Maxime Emery, on n'a pas envie d'aller faire un freinage tardif. Hein. Et Maxime Emery, il peut remonter encore dans les 4. Hein. Il peut remonter, mais incroyable. Surtout, il va prendre d'énormes points parce qu'il va conforter son avance sur Germain Vincenot et sur Julien Colomban en vue de la 3e place du podium. Hein. Exactement. Ça, c'est très important pour Maxime Emery. Il le sait, le pilote breton, il est né en Bretagne, mais maintenant, il est parti beaucoup plus loin. Allez, on a même Franck Brancy, le Normand. Il m'a dit qu'il était Normand. Il dit un petit mot sur Internet pour mes potes. Il a du mal. Hein. Ok, merci. Merci Thierry. Il est rentré, on le voit. Moins de tours. Donc c'est qu'il est rentré effectivement. Allez, Maxime Emery. Maxime Emery, là, ça guidonne quand même. Là, il faut charger l'avant, les petits loups.
Et c'est ce qu'il fait très bien. Après, incroyable, on charge incroyable. L'arrière pour la motricité. Ouais. Ah, c'est hyper physique quand même. Hein. Ah bah un petit peu, oui, quand même. C'est pas... Allez, Dabert qui se balade. 6 secondes et demie maintenant sur Vivien Gonnet. 14 secondes sur la cour. Et Lacour, Perresson, Parseillan. Là, il y a la bagarre. Et même Emery qui est revenu au contact. Allez, il est là, Maxime. Et attention, Germain Vesneau qui se rapproche. C'est pas fini cette affaire. Ah oui. Il reste encore 3 tours. Ça peut. Oh là là, Randy Perresson qui vient de passer la cour dans la descente. Incroyable, Randy Perresson de Chambéry. Eh oui, Randy Perresson qui avait cassé son moteur à la première course de la saison. Génial. Il a rodé le moteur. Incroyable. Allez, le leader, toujours Sylvain Dabert. Bon, la courte, il a fait deux tout à l'heure. Donc il est sur le podium. Pour Mansil, il reste. Ouais. On avait un Dabert, deux la cour, trois Gonnet, quatre Emery tout à l'heure. Là, on a le podium, Dabert, Gonnet, la cour, on a. Ça sera exactement le même podium, mais bon, pour l'instant, Inch'Allah, si ça reste comme ça. Ça reste encore deux tours. À courir, c'est ça. Et Dabert continue. Ça va pas mal. Oh, dis donc, il est impressionnant quand même. Ouais, magnifique. On comprend pourquoi il a 8 titres à son actif. Oui, incroyable. Puisqu'il se... Bon, je peux dire qu'il se promène parce que physiquement... C'est un petit peu la promenade quand même. C'est quand même du boulot. Hein, parce que super. C'est beaucoup de travail de toute l'équipe. Voilà. Oh là là, magnifique. Gentiment, Maxime Deforge qui s'est rangé. Ah non, c'est Loïc Minaudier qui est par terre, mais il n'y a pas de souci. Ça se relève. Notre pilote de rallye raid, il a une moto beaucoup moins lourde que celle qui relève habituellement dans les dunes. Donc ça devrait le faire. Normalement, c'est le dernier tour, 9 sur 10, non ? Non, c'est quand c'est 10 sur 10. C'est 10 sur 10 que c'est la le dernier fin. Tour, voilà. Ah, d'accord. Non, mais c'est bien, tu suis, toi, moi. C'est bien. Allez, Maxime Emery, il en est où ? Comme j'ai jamais eu de 10 sur 10 à l'école, je suis obligé de suivre. Ah oui, l'école, c'est quoi ce truc ? Je ne sais pas, en tant que Oui. Non, mais si, ça sert. Ah, Randy Perresson, je suis trop content pour lui. Incroyable, incroyable. Il fait un truc génial. Une demi-seconde avec Maxime Lacour. Je veux dire qu'il peut le faire. Regarde. Ouais, magnifique. Là, il y a 5 centièmes. Ouais, Maxime Emery, 4ème, 18. Oh là là, ça va être chaud. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, là, les deux. Bah écoute, il est passé, je pense. Dabert, voilà, qui prend un tour. Je sais pas où il est, Maxime. Et normalement, c'est le dernier tour, je pense, on lui a indiqué le directeur de course. Voilà, dernier tour pour le leader de cet AMV Cup. Voilà, il est là. Allez, Sylvain. Sylvain Dabert, qui rentre dans son dernier tour. Il n'a plus que 750 mètres à parcourir avant de passer sur le drapeau à Damier. Vivien Gonnet, ça va pas mal. Deuxième. Tu sais qu'il est, Vivien Gonnet. Il est passé avec 10 secondes de retard pratiquement. Ensuite, on devrait retrouver Randy Perresson. Eh non, Maxime Emery normalement. Eh oui, il est là. Allez, il est passé, Maxime. Ouais, super. Allez, avec Randy Perresson. Ah oui, ils sont 2 dixièmes dans la roue. Perseillant, 4ème. Vincenot, 5ème. 6ème, pardon. Là, la cour, il a perdu des places. Ah, il est 7ème pour l'instant. Il est à l'agonie, Maxime. Attention, le podium va changer, je crois, José. Ah oui. Eh oui, et lui, le podium. Eh oui, c'est Emery qui va monter sur le podium. Exactement. La cour a tout perdu. Eh oui, il a tout perdu. C'est dommage. Allez. Les rayons lumineux, c'est pas terrible. Et là, et les voilà, super spectacle, bravo Sylvain. Ah, yes, il prend des points importants dans le classement final. Voilà, le tour d'honneur, vous pouvez les applaudir. Super Maxime Emery aussi. Allez, deuxième, Vivien Gonnet, le pilote de Briançon qui en termine à la deuxième place. Maxime Emery qui a fait une remontée terrible après sa chute. Incroyable. Il a terminé, le voilà, troisième. Le pilote numéro 1. Donc il doit être troisième du podium final. Randy normalement. Perresson, 4ème, 5ème, Étienne Parseillan, Germain Vincenot, Maxime Lacour. Il a chuté, Maxime Lacour, 7ème simplement. Allez, Wang Chang, est-ce que ça passe, Wang Chang? Mais écoute, on va le savoir pour le pilote Promosport.